Président Serge Kaimé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Plus de 148 000 abonnés seront scotchés à vous suivre à travers notre chaîne Congo Live Télévision. L'actualité politique est beaucoup plus dominée en République démocratique du Congo, 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, 4 ans jour pour jour, où le président Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir officiellement, bien le commandement de la République démocratique du Congo. Qu'est retenu de cette 4 dernières années pour ce pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi? Nous allons parler aussi de cette situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où on sent toujours les guerres entre les forces de la République démocratique du Congo, le FARDC, le mouvement du 23 mars, où on sent la présence des forces régionales, mais toujours pas de changement. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose dans cette partie de la République démocratique du Congo, où cette force régionale présent, mais l'insécurité continue toujours à prendre la lyre au niveau du territoire des Beni? Il y a toujours eu des tueries. Et nous allons parler aussi de situation élection 2023. Est-ce qu'il y aura des élections en République démocratique du Congo avec le délai constitutionnel, ou bien nous allons aller dans le glissement avec ce bureau Kadima? Et surtout, récemment, Kadima avait dit qu'il y aura un enrôlement pour un mois. Aujourd'hui, on sent que 37 millions d'habitants ont attendu pour se faire enrôler. Il n'y a que 7 millions d'habitants qui sont enrôlés au niveau de 10 provinces lancées récemment. Ce sont donc les thématiques qu'on va parler au courant de cette émission. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si nous pouvons commencer par le bilan du chef de l'État. Nous allons commencer d'abord par rapport à poser la question de savoir, vous êtes membre de l'UDPS. Aujourd'hui, quand vous regardez la santé politique de la République démocratique du Congo, qu'en dites-vous? La santé politique de la République démocratique du Congo est au zénith. Et au zénith. Compte tenu de ce que nous avons trouvé dans ce pays, je suis parmi les gens qui ont eu la chance de vivre les régimes passés. Okay. 4 régimes passés. Okay. Et je sais comparer. Si je fais le bilan comparatif de ces régimes, je trouve que la santé politique de notre régime actuel, est largement positif et promettant. C'est pour cela aujourd'hui, nous sommes là dans vos studios pour parler avec fierté. Avec fierté. Avec fierté, parce que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est de loin supérieur à ses 4 prédécesseurs. J'ai connu le président Kasavubu, j'étais jeune. C'est un président honnête. Dans son bilan, il y a l'honnêteté, okay, la sincérité, la confiance. Mais l'honnêteté seule ne pouvait jamais désenclaver le Congo. Okay. Il a trouvé le Congo dans de grandes difficultés. Un pays post-colonialisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu confiance à ce frère congolais. Il y a certains qui l'ont trahi. Il était sincère. Il n'a laissé aucune dette. Je vis M. Mobutu. Kukungwendo Ouazabanga. C'est Kukungwendo Ouazabanga, maréchal. Paix à son âme. Un président très déterminé, le président qui a fait respecter la téméraire. République, qui a fait respecter la République du Zaïre vis-à-vis de leurs voisins. Un président téméraire. La témérité seule ne pouvait pas désenclaver le pays. Le pays était connu, bien sûr. Dans le bien, oui, dans le bien et le mal, dans le mal aussi. Mais, un pays où le Rwanda ne pouvait même pas s'approcher. Aujourd'hui, le pays manipulé par un Paul Kagame. Comment vous pouvez dire qu'aujourd'hui, le bilan de Félix Antoine Tshisekedi est largement positif? Oui, les difficultés que nous avons ici trouvent ses origines. Okay. Dans la gestion de M. Mobutu. Allez-y.
Il était respecté, il était dynamique. Il pouvait même refuser que les réfugiés rwandais puissent entrer chez nous. Il pouvait aussi le faire. Comme les autres pays avaient barricadé leur pays, les étrangers ne pouvaient pas entrer. Les réfugiés ne sont pas partis dans le pays voisin. Le couloir qu'il avait laissé là, c'était le couloir de la mort. Oui, c'est ce couloir-là qui est en train de nous amener là où nous sommes. Maintenant, nous avons des Rwandais. Nous sommes infiltrés jusqu'au pôle épinière. Vous trouvez le chef coutumier rwandais. Un chef coutumier rwandais. Oui. Aminembo qui est chef coutumier là-bas. Si ce n'est pas le frère cadet de Robert. Le frère cadet de Robert. Mais je vous l'ai dit ça. Allez vérifier. Tous les secteurs, il n'y a aucun secteur qui n'a pas été inféodé. C'est quoi? C'est ça le bilan de Mobutu Sese Seko Kouboulou Azabang. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Nous sommes arrivés au temps de Laurent Désiré Kabila, un homme fort. Mais malheureusement, il était têtu. Il n'a pas su écouter ce que disait ce frère congolais qu'il a trouvé sur terrain. Etienne Tshisekedi, de reste mémoire, lui a conseillé, mon ami, mon frère, comment vous avez réussi à libérer ce pays de l'emprise diabolique de M. Mobutu Sese Seko? Demande à tes amis de la FDEL de facturer les services rendus. Comme ça, nous saurons comment est-ce que nous pouvons les payer. Nous a refusé, il dit qu'il n'y a pas de Rwandais là-bas. Ce sont tous des Congolais. Et dans le lot des Congolais, il y avait des Bizimakara. Que lui-même, Laurent, a découvert plus tard. La tétutesse ne paye pas. Joseph Kabila, père de la démocratie. Monsieur Joseph Kabila, oui. L'homme qui a fait qu'aujourd'hui l'UDPS s'appelle parti présidentiel. Oui. L'homme qui a fait qu'on puisse organiser des élections libres et démocratiques, apaisant en ruine démocratique du Congo. Oui. Okay. Le typotypo du Congo. Le typotypo du Congo. Le typotypo d'État moderne. Celui qui a vendu le Congo. Si nous avons des difficultés aujourd'hui, nous. Comment il peut vendre le Congo? Il y a un brassage dans l'armée, papa. Comment il peut vendre le Congo et laisser l'UDPS arriver au pouvoir aujourd'hui? L'UDPS a cherché le pouvoir pendant 37 ans. Sous Mobutu, vous l'avez jamais... Il avait tous les atouts de devenir un parti présidentiel. Vous savez qu'il y a un adage qui dit qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Tout à fait. L'UDPS a triomphé avec gloire parce qu'il a beaucoup souffert pour décoloniser les Congolais. Nous sommes maintenant un État libre. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, je ne pense pas que vous pouviez le faire dans le régime précédent. Aujourd'hui, on sent les hommes forts du président de la République se retrouver en prison après quelques mois, acquittés définitivement avec la justice. Mais à l'époque des Kabila, nous n'avons jamais vécu ça, oui. Président Serge Kayembe. Quand la prison est une exception, la liberté est quoi ? La règle. Ok. Quand on arrête quelqu'un, ce n'est pas la finalité. On doit le corriger. Et s'il pige cette leçon, je crois bien qu'il doit être libre. Et sachez bien que la justice est indépendante. Si la justice trouve que monsieur le journaliste qui était incriminé sur telle infraction, il n'en est pour rien, il te libère. Mais s'il n'en trouve pas, tu veux croupier là-bas. Il n'y a pas d'exécution sommaire pendant ce régime. Il n'y a pas de procès bidon. Mais si on comprend bien dans tout ce que vous venez de relater comme histoire de la République démocratique du Congo, vu que vous avez vécu tout ça, en général, vous pouvez dire que la santé politique de la République démocratique du Congo est positive. La santé, vous savez, hein,
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a trouvé le pays à la mort. Mais ce n'est pas le même dire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo quand il est arrivé au pouvoir. Il a dit qu'il a trouvé le pays très bien structuré, l'armée et l'État dont lui il a trouvé le pays, c'est Joseph Kabila Touadéra, ce n'est pas pareil. Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un fin diplomate. Ok. Il ne pouvait pas venir, tu arrives dans une maison que vous ne connaissez pas, vous commencez à critiquer. Vous commencez à dire ce que vous. Il faut vivre cela. Okay. Il faut arriver avec les sentiments positifs. Et c'est ta positivité qui va vous faire découvrir les failles. Ok. Nous avons découvert tous, il nous a aidé tous à découvrir les failles qui étaient érigées en règle dans ce pays. Vous savez, mon frère journaliste, dans ce pays, il y avait une catégorie de personnes qui avaient 50, qui touchaient 50 000 dollars par mois. C'est quelle catégorie? De ceux qui avaient des cartes Visa. Ok. 50 000 dollars par mois. C'est... Dans le compte des trésors publics. Nous avons découvert sous mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Dans ce pays, on ne savait pas comment acheter même une arme calibre 12. On avait l'embargo. Nous ne pouvons pas acheter quoi que ce soit. Sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'embargo est parti. Ok. Dans ce pays où le bilan était partagé avec le pays voisin. Vous savez que certains pays voisins vivaient du bilan du Congo. Et nous, notre bilan n'était qu'à 4 milliards de dollars, inchangeables. Et sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous savez qu'il y a maintenant, nous avons un bilan avoisinant de 16 milliards de dollars. Sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo... En résumé, la santé politique du Congo est positive sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Absolument. Le médiocre, les gens, les aînés, les gens qui ne veulent pas voir le changement. Donc, ces aveugles ne peuvent jamais voir. Vous savez que tel que vous êtes là, vous pouvez faire n'importe quoi, n'importe quoi des biens, mais tous ceux qui sont dans le groupe de tes ennemis n'apprécieront jamais ça. Les ennemis du Congolais. Très bien, 24 janvier 2019, 24 janvier 2023, 4 ans jour pour jour, où le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris le pouvoir officiellement devant le président, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Père Son Âme, Benoît Luamba, l'ancien président de la République du Kati du Congo, Joseph Kabila Kabange, l'IDPS, 4 ans jour pour jour au pouvoir. Que peut-on retenir sous le pouvoir de Félix Tshisekedi pendant ces 4 dernières années? Oh là là, cette journée me rappelle encore. À ce moment ici, je venais du Palais de la Nation. Les chamards, donc en palpitation, on pensait que il a été tué, empoisonné, quoi qu'en soit. Je me souviens encore ce jour-là. Tout le Congolais. Et j'ai senti que tout le Congolais aimait Tshisekedi. C'est une période, donc c'est une journée vraiment très riche. Ce sont les mêmes Congolais aujourd'hui qui regrettent d'avoir Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République. Non, il y a encore un Congolais, papa, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Vous êtes journaliste, faites le sondage, faites passer le micro, la caméra partout. Vous aurez les impressions des Congolais. Il n'y a aucun Congolais, vous m'excuserez, qui peut nier le changement sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est quoi les changements quand vous parlez de changement sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, on n'a jamais entendu parler des transports directs. Aujourd'hui, on parle de Kinshasa, transports directs sous Félix-Antoine Tshisekedi. Mais tandis que sous Kabila, on n'a jamais parlé de ça. Peut-être vous êtes étranger dans ce pays. Vous êtes étranger ou quoi?
Le problème des transports ne concerne même pas le président de la République. C'est un problème qui est géré localement. Il y a un gouvernement provincial qui doit faire ça, le gouvernorat. Nous avons deux bourgmestres et un gouverneur. Nous avons le ministère des transports de la ville province de Kinshasa. Très bien. Ce sont eux qui peuvent gérer cela. Quand vous remontez ça jusqu'au président de la République, ça me rappelle une histoire d'un criot du Congo qui disait que le Congo n'est pas un pays où il faut devenir président. Ok. Parce que quand un bus tombe en panne, tu l'envoies échouer. Voilà. C'est ça ce pays. Mais chacun de nous est responsable devant le peuple sur des tâches qu'il a reçues pour gérer. Il y a des tâches que Tshisekedi gère, le Congo. Il y a les tâches que le bourgmestre, le gouverneur gère aussi. Mais aujourd'hui, quand on regarde le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, le Congolais, le Koulobani, les 4 ans, jour pour jour, Félix Antoine Tshisekedi, dans les 4 ans dans le pouvoir, on peut dire que waouh, c'est grâce à Félix que le Congo est comme ça. Oui, je suis un journaliste. Nakanisi ke banda yo ko bani musalo yo ba beta yo fimbo ba botolo kamera balaboni na tuni yo kota boloko balaboni c'est ça le bilan les années balayi journaliste musuba kota ki boloko sou Félix le kota le kota ya zala ki empoisonné souvent vous n'avez pas suivi Yves Mbouy qu'est-ce qu'il avait fait il n'a pas un dossier il n'a pas été jugé Félix Antoine Tshisekedi qui parlait, Tourouzalana, exilé politique, t'es pas des prisonniers politiques. Jimmy Kitenge, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais été jugé en prison. Il a emprisonné plus de 6 mois en prison sans pourtant être jugé. De ses villes, et le Wakangele est banabati. Je ne pense pas. Il y a, nous avons notre. Lazado est là. Il y a Georges Kapiambe est là. Si quelqu'un est arrêté abusivement, je crois bien qu'ils sont là mieux placés pour revendiquer cela. Ok. Donc, si quelqu'un t'arrête et qu'on te juge, passe au régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je ne pense pas. Ok. Il se reproche de quelque chose. Parce que tout n'est pas à parler à haute voix. Il y a certains procès. Il y a des procès qui se font. Jean-Marc Abounde est reproché de quoi? Je crois bien que tu es Congolais. Et tu connais ce qu'il a fait. Il a fait quoi? Quand vous ne connaissez pas ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Vous n'êtes pas, vous êtes étranger dans ce pays? Asalani ni monamoka. Kabound. Il doit nous montrer là où Félix Tshisekedi Tshilombo est parti cacher l'argent. Il a dit qu'il était voleur, non? Un régime de juissaires. Là, donc il doit nous montrer là où il avait caché. Quand vous débitez de mensonges. Quand vous accusez quelqu'un, il faut amener des preuves. Il doit nous montrer ça. S'il ne montre pas ça, comment est-ce qu'il peut rester libre? La démocratie n'est pas synonyme de libertinage. Nous devons être libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres de parler pour notre pays. Mais pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Incriminer quelqu'un abusivement. Et le premier citoyen, la tête de tout le monde, lui-même a dit que vous pouvez me critiquer, mais pas de mensonges à mon égard. Si vous débitez de mensonges, il faut le prouver. Ce qui peut vous retourner dans la boulot, vous retourner dans la boulot. Mais va saler à mon point. Les alliés centrent et à correction. Okay. Mais bien avant le CPK. Ils allaient pour corriger, bat oyo, mais c'est lui qui corrige. Boloko, ils allaient le wate. Boloko, ils allaient pour corriger. Moutouler a kobima kuna, a kobima comme bon citoyen. Ok. Natango akala, ma section, yo, c'est ça. Menuiserie, menuiserie, maçonnerie, tout comme ça, on va enseigner bat kuna. Ce qu'on bimi, boloko, obimi, n'a qu'à n'y sike. En général, tu peux résumer que le bilan Félix Tshisekedi pendant ces 4 dernières années. Et ça positif, papa. Et ça positif. Et ça positif. Les lois, ils ont la difficulté. Aujourd'hui, ils n'ont pas de respecter les Congolais. Mais les bossons, ils ont
visa. Aux aliments comme nous n'avons pas. Parce que tout là-bas, passeport n'a pas la boue. Parce que tout n'est que ok pour ça la nini. Mais bah comment motif fait à pour n'engage. Pourquoi bah tout n'a pas tenu ce bandeau, tout n'a pas tenu ce Congolais azaraki marginalisé, chosifié. À part le temps de Mobutu Sese Seko, le régime et le régime à Kabila et sous commissaire Misso Bazoba, Babolole. Bamboko nyoso babandaki ko koyina biso mais lelo yo papa zwa oko kende na li papa nayo na munyere nayo na molokai oke poto makotune teke ko sala mikolo boni yo moko ndiko kende ndenge pe ko zonga po ba ibika congolais akobima akozonga po mboka na ese bongi très bien po mboka na ese bongi to teki balengo ya or kala mingi te na partenariat que RDC Qatar ouais. Donc, Congo. Vous aussi, vous continuez à citer le nom de Rwanda, mais le Rwanda vous continue comme ça, la même chose pour attaquer mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Kimia Zonga dans la SRM du Congo? Kimia Zokota Kalamingite. Après 4 ans Kalamingite, Kimia Zokota. Oui, bien, des journalistes, au Congo, elle est là malade. Malade, il y a car. Tant que vous l'avez, mais qu'on ne peut pas malembe. Attends, dis-moi, on a un dingue nini. Vous avez quantité à mon nom pour que vous ne vous en mais si vous avez un peu de Rwanda pour attaquer l'avion de chasse, vous avez un peu de papa, vous avez au moins une moto à l'ingé à Koufa, à ça, il mouvement. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement. Le régime est à Kagame et il y a un mouvement. 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 Et surtout, le contrat a signé qui va être au Tongue le Bandako. Bye Bandako. Pour ça, là, Bankita. Oh, ils ont annoncé à ma belle na été. Vous voyez, le Qatar, Azana Nyongo, Qatar, à Tongue le usine. Il fallait usine, hein? Bazombongo, Yako Futa. Mais cet après-midi, on aura appris que. Avion de chasse Nabucho d'Ali visé par missile rwandais Kuna na est République du Congo. Nde konangai Rwanda azoko attaqué biso kala Isaki Isaki est-ce que ba rebelle ba koko kala na ba missile oyo koki ko landa un avion. Le président Kayembe tout à l'heure si vous venez de relater l'histoire de quatre dernières présidents de la République du Congo, vous allez parler de Mobutu oyo ba pays voisin ba neko banga RDC ko sala n'importe quoi na RDC parce qu'on savait qu'on a un président tout puissant qui pouvait réagir à n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Le temps comme on a Rwanda a ko visé président Rwanda est bandit depuis Kala qu'on s'est préparé pour s'attaquer à Bissot. Nakanisi oyé bien très bien que depuis 1994 pour attaquer Bissot. Les loyaux depuis 1994 ti n'amboule et salim. Yo lingi malade il y a depuis 1994 au réseau de Ango en 4 ans. Mais dans 4 ans, qu'est-ce qu'on peut dire dans 4 ans sur le plan sécuritaire, il y a Est République démocratique du Congo où on peut dire que Laisse-moi poser la question, vous allez répondre. Déjà. Laisse-moi poser la question, vous allez répondre. Si quand on a tout le monde, beaucoup répondu. Le lot de Congo Bani dans 4 ans sur le plan sécuritaire dans Est République démocratique du Congo. On a parlé de processus de paix à Nairobi, rien ne marche. On a parlé de processus de paix des ministres au Mérée des Marches. Le chef de l'État est allé plus loin encore de parler dans la 77e Assemblée générale des Nations Unies pour déplorer l'agression où la RDC est civile à niveau à Rwanda. Rien ne marche. Zone tampon, force EAC, le lot de Kumukomona, Kibumba, il fallait la M23, il fallait la retraite, tout ça, il fallait la Kibumba, il fallait la retraite, il fallait la force régionale. Est-ce que Milan est sur le plan sécuritaire et est-ce que vous avez du Congo en Boka? Monsieur le journaliste, sécurité à Est, ils allaient dépendre de la vie de Nyons, ils allaient les Camboya, régime T. Ils ont le Cambo, il y a un régime nyoso, dengue bandaki, nan dengue zali. Le chef ne se plaint pas. Le loyo. Nakanisi ke
biso tozaki ba tozaki bana mike mokolo soki aza ko yebiso likambo akogangela yote soka liko beta yo akogangela yote akutaluka bana miso azoko bondele okutu azoko yebiso ke keba kosala boyete kosala boyete yebaka bien ke lela ko beta yo boto même mama na yo akozwa na moya ya kondanete mukolo oyo tokobeta eboto na bandeko na biso na ndeko na biso o voisin na biso hein voisin muzuri na biso hein l'air tokobeta eboto ata mboka moko ekoya ko intervenir ke sala boyete parce que to si to set la ki si ebola munyoso bola munyoso o basalaka to bendie na ndenge lo lege nyoso esengeli. Tout ça, les gens sont coquettes, même mouton à coco sale. Mais allez, on a que ça, puis on monte ma bébé. La question, la vie, ma cambo à bissélé. Parenthèse, on te connaît. Oui. Pour aller voir une vérité, à se retrouver dans ma cale. Bino, pouvoir. Et ça, si pour des vérités. Vérité, ni à l'obaki. Kabouna, la vérité, ma cale. Bissélé, vérité, ma cale. Vérité, ni à l'obaki. Ils ont vérité, mon côté. Oui, puis quoi, ma cambo, ça peut quitter, bon, facilement. Jamais. Moutou, ma cale a quitté. La justice. Si tu collabores avec la justice, le chef de l'État lui-même l'avait reconnu que la justice est mal jouée. La prison, c'est une exception. La liberté, c'est une règle. Ok. Ah, mais le chef lui-même, il a reconnu que la justice de notre pays ne marche pas. Oui. Il y a des gens qui ne font pas la justice, mais qui sont venus pour servir les amis. Ok. Ah, il y en a certaines personnes qui sont comme ça. Mais sachez bien que. Et Botou Oyo, Rwanda à Kozwa. Nakanisi ke, ba parrain aye, ba ko regrette Mukolo Oyo, ba signe ki nae ba contrat. Nakanisi ke, le fait kaka. Ba parrain ne banane. Le fait kaka, ba Qatar, a bengi pa réconcilier biso. Tolebi, toko kendete, ko fanda, na mesa moko na ba terroriste. Nakanisi ke, palpite se kochikuna. De ko yebaka bien que. Retenir Mukolo Alelo. Et bien que Mukolo Oyo. 24 janvier 2023. Mukolo Oyo tokozwa option. Parce que option Oya diplomatie. Bo échoué. Na lobby, hein. Bo échoué na option diplomatie. To échoué, hein. To échoué, hein. To zap na option diplomatie. Na lobby, hein. Na sous contrôle M23, Kibumba sous contrôle M23, Rumangabo sous contrôle M23, qui s'est frappé récemment diplomatie. Na lobby, hein. Na lobby, hein. Diplomatie échoué à Katé. Bon, Il y a bien que Nelson Mandela Lovaki Boy. Il n'a jamais échoué. Bino la philosophie. Soit. Là, il obtient ce qu'il a besoin. Okay. Ou il obtient une leçon. Très bien. Tu as eu leçon. Tu as échoué. Je dis que tu as changé langage. Donc, vous avez leçon, vous avez tiré leçon par rapport à la diplomatie. Il fallait très bien, moi, Namboka Serge Kaimi, je vous rappelle que vous allez m'en couper. Il y a une peste, une autre, une autre, une autre, actualité politique qui a remis le gâteau du Congo. Je vous rappelle que vous élections parce qu'aujourd'hui, si on parle des élections, il y a toute l'équipe politique qui a remis parce que vous avez une actualité. Je vous rappelle que vous du Congo. Tous les politiciens congolais sont très déterminés pour le 2023 parce que l'opposition va juger bilan et traiter que l'ambouka négatif va être déterminé pour le 2023 pour le deuxième mandat. Monsieur le journaliste, je suis moni moto moni qui a échoué au bout de la mécanonaille. Ba opposant les oiseaux ont une élection. Pour preuve, pas enrôlé. Mais je m'en fais le savoir. Mais bah n'inga naie, bah azaye mon côté, bah azaye belé. Hier coup tu bendele mindondo. Le PPRD. Parce que problème n'a pas mais ça qu'on boycotte. Le PPRD dit que a aucune élection parce que bureau. Bah azana bilan te. 18 ans ça l'est le côté.
A comme il y a 5 ans, il y a 4 ans, après sa bilan. Il y a 18 ans, Salinine. Mm. Hein? 18 ans, Salinine. Et l'autre côté, zéro. Est-ce qu'il y aura vraiment des élections en 2023? Absolument. Dans le délai constitutionnel? Dans le délai constitutionnel. Mouto a consayoté. Élection et causant à Temboulo. Ceux qui ont s'enrôlé, ceux qui ont s'enrôlé pour voter Moutou Oyo au CPL Nayo. Ou APCO, liberté, il y a reposé un gamme tout, pour que vous ayez un gamme tout. Et ça, c'est ce que le lobby, un gamme tout, il y a un gamme tout. Il y a un gamme tout. Il y a un gamme tout. Il y a un journaliste, il y a un gamme tout. Mingi. Parce qu'il y a trouvé un Zamba. Il y a un gamme tout. Le loyo koloba, au fingi, au tongi, au lobinini, bako tinda yo na justice, soko lobi mabe. Na justice, bako ko bomba yo, na isika. Soko lakisi makambo yo, zako sate, oza. Me ezaki bongote. Kaka na balabala na yote. Oebi tungulu te. Mabambaki, tomati likolo a mutu ka mokonzi. Sor na ezaki nini. Na mboko yo. Retour à Tshisekedi en Amérique. 2011. Babeta qui m'a sassiboué. Namboukoui. Pas de sommation. Pas de lacrymogène. M'a sassi dans d'autres abattre. Namboukoui, yo zoko l'obasikoui. Ce qui bila est un négatif, yo koke koloba wate. Yo ko ben angandengenin. Ce qui bila est un négatif. Il y a 23h, 24h. Il y a même vélo et bémio. Mais dans le temps, ce n'était pas ça. Tout n'a pas été le cas. Très bien, mon amour, tu as plus de 148 000 abonnés. Tu as plus de 148 000 à travers notre chaîne Congo Live Télévision. Message numéro précédent, Rolando. Congoman, to kangana maboko na maboko. Tokokako s'enrôler massivement pour tokokako pona bakambi oyo basengeli. Mais na koyeb sabino que bokona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que il sort du lot de tous les présidents que j'ai vécu sur cette terre. Bokende ko s'enrôler massivement pose la possibilité ya kopona ba député oyo bakolobela yo. Ce qu'on sait l'erreur, il va bien que vous corrigez après 5 ans. Quand ils sont boulot, ils ont un peu de temps, ce qu'on bâtit 5 ans, vous avez un boulot bon pour corriger l'erreur. Ce qu'on a pondu, il pondu là, est allé. Mais il y a un Sabino, il y a un président cellulaire, parce que dans le président cellulaire, il y a IDP, c'est ce qu'il dit, dans la cellule, il y a Jamaïque. Très bien. District à Lukunga, la section à Kitambo. Nazali Moko, Nababandisi, y a collectif de présidents cellulaires. Le 19 janvier, Oyo, Toti ko fêté premier anniversaire Nabiso. Mukolo Oyo, collectif de présidents cellulaires et Bandaki. Nakansi, Nazali ko tombela, anniversaire malamu, Nandeko Nangai, Flori, Boatuka, l'actuel DGA, actuel. DG et à Transco. Et surtout, Florian, on doit rappeler. Nazali Kotombela, anniversaire, Malamo, Nandekonangai, Mustafa, Kanuseki, Cordon Abiso, ya Lukunga. Nazali Kotombela, ba Cordon Nyonso, ya collectif de présidents cellulaires, Nakobo Sanate, Moussa, Diasonama. Nakanisi, Bisikaya Azali, Ayebi, Apor Nangai, na collectif, na président cellulaire. Nakotombela, pe, Mubu Malamu, na Ndekonangai, Tati Punga Tiswaka. O Azali, cordon en charge, ya Moamba. Docteur Mbotenayo. Na kotombe le lisusu, Mubu Malamu na Mubu Malamu na Ndekonangai, Moïse,
Nyangwila Mukendi. Azali Cordon en charge ya Tchango pe Azali administrateur Nakadeko. Nakotombe la bande konyoso ya collectif Mobu Malam na Bosanité Ndeko José Joseph Koi. Na kotombe la Mobu Malam na bande konyoso oyo basalete collectif ezala na bomo eti mukolo ya lelo na kanisi na mokonzi na biso CG magnifique Augustin Kabuya Chilumba le mwana bute du chef na kotombe le pe Mobu Malam na bande konyoso ya Tchango bande konyoso ya Lukunga ya Funa, bande konyoso ya Moamba. Lobby, tozali na réunion na biso, ezaka toujours mercredi. Très bien. Mercredi, nyoso, tokutana na Gemena 44, croisement, avenue Gambela, et puis force publique, comme référence. Toya ebele, poto lobela, makambo. Ya maponame. Na kanisi ke tango ya ngwawe. Oyo balobe ke tango ifweni. Giba ya kumbani. Tango ekoki. Sa ineneya. Lere ekoki. Matondi mingi mwana mboka. On rappelle que vous êtes membre de l'UDPS. Président cellulaire ya Jamaïque. Kuna na section ya Kitambo. Le Douzaki Lubaku. Robert Noma Gambetali politique ya mboka. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Numéro nanga ya contact ya ngoyo. 084 77 91 400 33 Serge Kayembe Sendula Chamboui. Matondi mingi mwana mboka Serge Kayembe Chamboula Chamboui. Natondi obotondi monsieur le journaliste.